Peur de la caméra? Ils vont rien dire, calme. Dis juste, tu te mets combien? Dis-moi toi, après moi. Non, je te dis pas, Dis-moi, tu te mets combien? Il aime bien me donner des notes à la fin des entraînements, mais c'est en rigolant, c'est pour que je progresse aussi. Là, j'ai commencé à le chambrer, là, c'est bon. Je commence à lui dire les choses qui font mal. Marnès, c'est un milieu offensif qui se place bien entre les lignes. Mais il a une très bonne technique, il a un bon pied gauche et il aime bien jouer avec ses partenaires, donc c'est un bon joueur du collectif. Ouais, j'ai une assez bonne qualité de passe. J'essaie aussi de beaucoup percuter, changer, varier aussi selon les différentes situations pour essayer de prendre la meilleure option et être le plus efficace possible. À mon poste surtout, il y a Golovin. Ça se voit qu'il a énormément de qualité, donc je l'observe aussi beaucoup, j'apprends et voilà, j'essaie de reproduire ce qui fait de bien. Ouais, surpris et heureux, hein, en vrai. Très heureux. Ça fait plaisir et c'est motivant aussi, ça montre que c'est possible. Donc après, il faut travailler dur et lui montrer que voilà, on peut apporter quelque chose dans ce groupe. Après, c'est certain que dans tous les cas, c'est une bonne expérience. Il y a des joueurs qui ont fait des compétitions énormes. Ils ont gagné des trophées qu'on a même pas encore imaginé. Donc c'est clair, c'est une belle expérience. Donc après, faut travailler dur, hein, pour essayer de rester avec eux et continuer. Mais t'as perdu combien de ballons, ça que je te demande? Il n'a pas perdu. Donnez des choses. En fait, t'as le droit de perdre des ballons. Mais il y a des ballons. J'ai juste demandé. Le lendemain.